Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes résolutions de l'année 2021. Donc, l'année 2020 m'a appris beaucoup de choses, notamment à profiter de la vie, tout ça. Et c'est ce que je souhaite faire pour 2021. Si le Covid nous permet et qu'il s'en va très très loin de nous, j'aimerais pouvoir faire de la randonnée. Voilà, faire de la marche et tout ça, découvrir et redécouvrir des paysages que je connais ou pas de ma région et tout ça. Je trouve que c'est vraiment voilà l'idéal de pour découvrir, pour visiter et tout ça. J'aimerais profiter aussi de faire plus de sorties avec mes amis, ma famille, tout ça, parce que c'est vrai que bah, à cause du virus, on n'a pas pu vraiment trop faire ça et tout ça. Notamment, je pense à Avignon, on aime beaucoup aller à Avignon, Montpellier et tout ça. Et voilà, se balader tout simplement, découvrir de nouvelles villes. Donc ça, j'aimerais bien le faire. Pour l'année 2021 aussi, j'avais pensé voir pour le permis, mais je sais pas, ça a l'air un peu compromis pour les auto-écoles et tout ça, je sais pas trop. Voilà, je sais pas si c'est vraiment la bonne période pour me lancer dedans, étant donné que bon, avec le virus, des fois ça peut tout s'arrêter du jour au lendemain. Donc ça, je vais essayer de voir, mais bon, ça sera peut-être pas forcément ma priorité. Donc à voir. À voir. Dans tous les cas, 2021, ça va me permettre aussi de poursuivre mes études de secrétaire, de secrétaire assistante, parce que je l'ai fait à domicile. Là, c'est vrai que ça fait avec les fêtes et ça, j'ai pas eu l'occasion de m'y reprendre, mais je vais essayer quand même de pouvoir m'y remettre totalement début janvier. Voilà, j'aimerais bien aussi déménager enfin parce que j'adore mon appartement, sauf qu'il manque beaucoup de rangement, beaucoup d'espace. C'est un 31 mètres carrés pour deux, c'est pas possible. On se sent un peu à l'étroit malgré que je fais du tri, tout ça, j'essaie de voilà de faire mon maximum, mais bon, c'est pas évident. Je vous l'avoue, et là c'est vrai que c'est une année qui est très difficile parce qu'on a du mal à se chauffer et c'est très mal isolé, donc forcément voilà, je pense que là c'est peut-être la dernière année. Je vais tout faire pour de toute façon pour qu'on déménage parce que voilà, c'est j'ai envie de déménager, de bouger et d'avoir un lieu qui soit un peu moins cher et un peu plus grand surtout, avec quand même un peu plus de rangement et tout ça. Et que je me sente un peu plus chez moi, parce que c'est vrai que quand on est arrivé, on a acheté des meubles, mais c'était pas forcément harmonieux et tout ça, donc bon voilà. Du coup, je fais avec, mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit peu de changement de ce côté-là. Pour l'année 2021, on croise les doigts, j'espère que la PMA va nous donner enfin un petit bébé. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est bien parti pour, et on verra si, si ça tient. Mais voilà, dans tous les cas, j'aimerais bien. Vous voyez Mimi, la tête de Mimi derrière. Tu te montres? Montre-toi. Montre-toi, regarde. Coucou. Et toi, c'est quoi tes résolutions? Profiter de la vie. Non, oui, de ta belle vie. Non, oh, oui. Franchement, si je trouvais, j'aurais bien aimé adopter un autre toutou. Parce que ça se passe super bien avec Mia. Maintenant, après Mia, je sais pas si elle serait jalouse ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, elle est adorable comme vous voyez. Et donc voilà, je lui souhaite plein de santé pour cette nouvelle année qui va arriver. Donc voilà. Ah, mon bébé, mon oui. Donc voilà pour l'année 2021, voir aussi voyager, retourner en Normandie, voir la famille de mon chéri qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps.
Ça aussi, tout dépendra des congés de mon chéri et du Covid aussi. Voilà. Voilà pour mes résolutions de 2021. C'est pas grand-chose, mais dans tous les cas, voilà, j'aimerais bien, voilà, profiter de ce renouveau et tout ça. Voilà. Autre résolution que j'ai dit aussi à mon chéri, c'est d'essayer de faire le batch cooking. C'est-à-dire que souvent, le matin ça va, l'après-midi ça va, mais alors le soir, je suis vraiment très fatiguée en ce moment. Et j'ai moins de courage à faire le repas. Donc bien qu'il y a mon menu qui est tout préparé de la semaine, il n'est pas fait. Donc ça, j'aimerais bien, voilà, organiser le batch cooking, donc c'est-à-dire cuisiner sur toute la semaine. Une fois par jour et une fois dans la semaine et pouvoir juste décongeler ce qui est à décongeler quoi. Donc ça ouais vraiment j'aimerais bien mettre ça en place. Comme ça au moins le soir même si je suis fatiguée ben, le repas est prêt, j'en ai juste à le décongeler et à le mettre au micro-ondes. Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut que je m'organise pour mettre en place. Je crois que ça sera un gain de temps et ça sera moins fatigant pour moi. Même si on n'a pas d'enfant, mais voilà, je sais que ma maladie, je pense que voilà, ce qui fait que je suis très fatiguée. Voilà pour ça. Et puis ben voilà. Continuer les vidéos, bien sûr. J'ai remarqué que en ce moment, je suis beaucoup plus vidéo que blog. Je pense que ça dépend vraiment des périodes. Donc voilà pour mes résolutions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me communiquer en commentaire vos résolutions pour cette nouvelle année. Puis ben voilà, sur ce, je vous fais gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!